Dans la crise des déchets, aucune solution n'a émergé pour l'instant. Début décembre, le CIVADEC devait annoncer l'attribution de l'appel d'offres concernant l'acheminement des déchets corses vers le continent, mais il n'a pas été pourvu. Trois offres avaient été déposées pour transporter 70 000 tonnes de déchets depuis Bastia et Ajaccio jusqu'aux quatre sites de traitement choisis en septembre. Les offres ont été jugées trop élevées par rapport à l'estimation faite par le CIVADEC. Son président veut écarter tout risque d'entente illégale. Nous avons demandé à la direction de la concurrence et des prix et de la répression des fraudes qui était présente de nous accompagner dans l'examen de ces propositions pour savoir si oui ou non elles correspondent aux règles de la concurrence et à nos services ainsi qu'à d'autres techniciens d'expertiser les offres au plan financier pour savoir si effectivement elles sont anormalement élevées ou si elles correspondent réellement à un prix de marché. Mais avant de penser à l'exportation, il a fallu tenter de trouver des solutions locales. L'hypothèse de nouveaux centres d'enfouissement technique portés par des acteurs publics est évoquée, un à Castifao, l'autre à Moltifao. Mais sans attendre la confirmation du projet, les premières voix s'élèvent. On a été sidéré de voir que des gens pouvaient penser monter un projet auprès d'une zone humide, sur trois captages. On empoisonne la Corse, là. Hein, alors, en plus d'empoisonner le village de Moltifao, mais c'est la Corse qu'on empoisonne. Ces centres d'enfouissement technique resteront au stade de la simple piste. La Corse se retrouve donc avec de seuls CET, du moins quand ils fonctionnent. Les élus du Sartenay-Valinco préviennent si des solutions ne sont pas trouvées qu'ils bloqueront le site de Viggianello. Ce sera le cas le 24 avril. L'idée, voilà, c'est de ne pas enfouir 200 000 tonnes de plus sur Viggianello, puisqu'on a déjà enfoui presque 450 000 tonnes ces dernières années. Le lendemain, Prunelli est bloqué lui aussi. Les sites sont désormais inaccessibles aux camions d'ordures ménagères autres que ceux des communautés de communes concernées. Le centre de Prunelli et Vieux-Morbe refuse d'accueillir plus de déchets que prévu. Chaque année, on a peur de 43 000 de passer à 60 000 tonnes, ce qui réduit évidemment la durée de vie, qui nous apporte beaucoup de contraintes. Et donc chaque année, on sait qu'on nous l'oblige. Donc nous, notre position, c'est de rester à 43 000 tonnes. Les rues commencent à crouler sous les déchets. Après une dizaine de jours de blocage, le barrage est levé. Les pouvoirs publics s'engagent à ce que le tonnage soit respecté et à trouver d'autres solutions. Généralisation du tri avec un effort très important dès cette année pour avoir des résultats très significatifs. Deuxièmement, des usines de surtri. Et là aussi, il faut les installer près du Grand Bastia et du Grand Ajaccio. Et troisièmement, des centres de stockage. Mais le 20 août, une nouvelle crise éclate. Le centre de Prunelli arrive à 41 000 tonnes sur les 43 000 prévues. Les élus ferment le site aux camions venus d'ailleurs. La collectivité de Corse tente de convaincre et de négocier avec les habitants lors d'une réunion publique. Aujourd'hui, il y a des négociations à avoir pour avoir des compensations dans une négociation entre les efforts qui sont faits à Prunelli et ce que vous, qui représentez l'ensemble de la Corse, vous nous devez. Finalement, le débat s'enlise jusqu'au 6 novembre où les services de la préfecture de Corse ordonnent la réquisition du CET de Prunelli Vieux-Morbe. L'État tente un déblocage par la force. Résultat, la population se mobilise. Les maires de Vieux-Morbe reçoivent le soutien d'élus venus de toute la Corse. Les réunions s'enchaînent. Prunelli reste bloqué. Les conséquences se font sentir tout au long du blocage, comme ici à Aléry. Vous avez des ordures qui sont là depuis des semaines, voire des mois, on ne sait pas. Les ordures ramassées ne trouvent pas toutes un exutoire. Certaines communautés de communes stockent des déchets à même le sol. C'est le cas aussi ici à Coro, sur ce terrain occupé par cet agriculteur. Il n'y a aucune protection, rien n'a été préparé, c'est officieux, tout est fait comme ça à l'arrache à chaque fois. Pour sortir de la crise, la majorité territoriale tente au mois d'octobre d'exposer son plan devant l'Assemblée de Corse. Il repose essentiellement sur le tri à la source et sur le travail de collecte des communautés de communes. L'Assemblée vote aussi la création de centres de tri aux périphéries des grandes agglomérations et la création de nouveaux CET. L'opposition dénonce des projets impossibles. Même si l'exécutif espérait trouver d'autres solutions, finalement ce sera l'export de 70 000 tonnes de déchets en 2019 orchestré par le CIVADEC. La majorité affirme que la solution n'est pas durable, seulement une transition jusqu'à un traitement local des déchets.